Bonjour, Sandra Rogers de chez Clever Touch France. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démarrer et arrêter l'écran luxe, notre nouvel écran luxe, avec les options de démarrage et d'éteignage. Donc, si vous allez sur les paramétrages, système, donc vous avez l'option démarrage et arrêt, et vous pouvez choisir sur quoi l'écran va démarrer, c'est-à-dire soit sur l'Android, le luxe, ou soit sur un PC, ou un des ports HDMI. Donc là, je vais rester sur le luxe. Vous avez aussi l'option de supprimer automatiquement les fichiers sur lesquels vous avez travaillé. Donc là, je vais mettre tous les fichiers, tous les sons audio, les documents sur lesquels nous avons travaillé, que ce soit tableau blanc, des images où on a annoté, et l'historique du navigateur. Donc ça vous permet qu'une fois que vous avez terminé votre session, de partir en toute sécurité, sachant que toutes les données partagées ou sur lesquelles vous avez travaillé ont été effacées après votre sortie. Vous avez aussi la possibilité de programmer l'allumage et l'éteignage de l'écran. Ça veut dire que vous pouvez ajouter une tâche de démarrage, donc programmer l'allumage de l'écran, que ce soit à une certaine heure ou un certain jour, mais aussi l'arrêt, c'est-à-dire que si vous voulez arrêter l'écran à une certaine heure, certains jours, le programmer, vous pouvez faire ça également.